viewers, you're welcome on tonight's primetime Balingo newscast on Spectrum Television. Coming up tonight, after more than 30 days in a near-death captivity, Senator Regina Mundi is free at last. A rescue mission was launched on Sunday, the 26th of May, according to official reports. The joint military operation left three of her captives killed and others in captivity released. The operation was also a heated gun battle between defense forces and separatist ringleaders. Plus, this newscast also has reactions of her few minutes after her release. Also, His Lordship Andrew Nkea is a new Archbishop and head of the Episcopal body in Cameroon. He succeeds His Lordship Abraham Kome, who is Bishop of the Bafang Diocese. He is charged with the assignment of handling issues with wisdom, serenity, and diligence as the ordinances of the Church require. And those are our top stories. Hello, viewers. Thanks for watching tonight's Balingo newscast with the very first elements coming up in the French language with Oriane Duncan. Good evening, Oriane. Bonsoir, Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. La sénatrice RDPC Elisabeth Regina Mundi a été libérée par l'armée camerounaise. La parlementaire avait été enlevée le 29 avril dernier à Bamenda avec son chauffeur. Ses ravisseurs avaient menacé de l'exécuter le 20 mai dernier, jour de la célébration de la fête de l'unité nationale. Inès Pangan. Elle est libre, la sénatrice RDPC Elisabeth Regina Mundi. L'armée camerounaise a annoncé ce 30 mai la libération de plusieurs otages, dont la sénatrice enlevée le 29 avril dernier à Bamenda avec son chauffeur. Le document signé par le capitaine de vaisseau Cyril Serge Atanfak Nguemo, le chef de la division communication du ministère de la Défense, précise que l'opération a été lancée ce dimanche 29 mai à Achon, dans le département de la Momo, région du Nord-Ouest. Le document parle d'un refuge de terroristes lourdement armés qui aurait ouvert un feu nourri dans la soirée du lundi 30 mai pour stopper la progression des forces de défense. À l'issue de l'opération, outre la libération de la sénatrice et d'autres personnes, trois combattants qualifiés de terroristes ont été capturés, une dizaine d'autres tués, du matériel de guerre saisi et le véhicule de la parlementaire récupéré. On se rappelle qu'en échange de la libération de la sénatrice Elisabeth Regina Mundi, les séparatistes avaient exigé dans un premier temps la libération de 75 de leurs camarades. Et dans un second temps, les ravisseurs avaient menacé de l'exécuter le 20 mai, jour de la célébration de la fête de l'unité nationale. Efforts of defense and security forces, she expresses herself in the following excerpt. There are times when a politician cannot talk much. As a teacher politician, I should not lack words, but there are times when the emotions are too heavy. I'm really overwhelmed with a concern for my release. Starting from the presidency, in fact, I thank the head of state. I thank the governor. I thank all the generals and all the military people. As they say in Pidgin, story long, time short. What I have seen in this month is not what we can talk here. The first annual inter-ministerial budget session has today been done in Yaoundé. The objective of this session was to reorganize public finances, and on the context of this working session, we propose that you listen to this excerpt of the director of budget speaking to our reporter Olivier Mbouzike. Concretely speaking, now the session of the committee is after 3 years. Last time we did it each year. That's the first innovation. Concretely, we follow up the budgeting system. We follow up the management budgeting system. We follow up
the way that the administration has organized in terms of statistics and all we did with the information budgeting system. The head of government has signed a decree last year organizing the interministerial committee in charge of program budgeting examination system. By this decree, we want to reorganize the way that we have examined, the way that we have treating this procedure, budgetary procedure. Last time, we did the exercise every year, but from now, we'll do it, please, after 3 years. Yes, and the other innovation is concerned with the mission. Last time, the committee was in charge only to prepare the program before the budgeting procedure. Now, the committee is charged to follow up the budgeting system and to do the evaluation of what we have obtained our results after 3 years of putting in place the various programs inside the different administrations. L'Atelier national de suivi et d'accompagnement des collectivités territoriales décentralisées à la bonne exécution des budgets 2022 a lieu ce jour dans les services du gouverneur du littoral ici à Douala. Il s'agit pour les experts venus du ministère des Finances d'outiller les acteurs de la chaîne de dépenses dans les mairies et les conseils régionaux des nouveaux délais, des procédures de l'exécution du budget et de la commande publique. Je vous propose à présent d'écouter un des formateurs, Hugues Somme-Otia, est au micro de STV. Ces travaux font suite à l'évolution du cadre réglementaire de l'exécution du budget des collectivités territoriales décentralisées. Depuis 2 ans aujourd'hui, le ministère des Finances signe une lettre circulaire qui adresse de manière spécifique les procédures d'exécution des budgets des collectivités. Il n'est plus question de se référer au document central, mais ils ont un outil spécifique qui adresse toutes les problématiques éthiques et qui tient compte des réalités des collectivités territoriales décentralisées. Donc c'est un nouvel instrument qui suffit ces travaux. Nous allons insister sur les procédures de l'exécution du budget en recettes et en dépenses et aussi de la commande publique. L'idée est d'outiller tous les acteurs de la chaîne de la dépense, des mécanismes et procédures, des délais qui encadrent désormais l'exécution des budgets des collectivités territoriales décentralisées, entendues communes et conseils régionaux. Il faut comprendre que les collectivités, la loi 2019, en tant que code général, a renforcé l'autonomie financière des collectivités. L'État fait des efforts pour allouer des ressources. Maintenant, il revient aux collectivités de choisir les projets qu'ils exécutent dans leur budget. On s'assure du respect des procédures et de ce que les projets qui sont inscrits permettent d'améliorer les conditions de vie des populations à la base. Appui aux agriculteurs pour bénéficier de sa facilité de financement, la Banque africaine de développement pose ses conditions aux bénéficiaires, parmi lesquels le Cameroun. Entre autres démarches à suivre, le pays devra formuler à l'endroit du bailleur de fonds une demande d'appui qui explique clairement ses réformes politico-économiques. Mireille Siabi. Depuis le déclenchement de la crise russo-ukrainienne qui oppose deux des plus grands importateurs mondiaux de blé, le prix de cette denrée connaît des hausses qui tendent à perdurer. Ce qui rend difficile l'approvisionnement en cette matière première nécessaire à la fabrication de la farine de blé. Au vu de cette situation, la Banque africaine de développement s'est engagée à apporter un appui financier d'une valeur de 927,5 milliards de francs CFA le 20 mai 2022 aux pays africains dont la production en blé reste encore embryonnaire. Sauf que pour bénéficier de cet appui financier, la Banque africaine de développement a, au cours de son assemblée annuelle 2022 tenue récemment à Accra au Ghana, posé ses conditions aux différents pays concernés, notamment le Cameroun. Il faudra au pays formuler à l'endroit du bailleur de fonds une demande d'appui qui explique clairement ses réformes politiques et économiques.
Pour cela, il devrait dans le détail maturer de bons projets agricoles afin de bénéficier de cet accompagnement technique et financier de la Banque africaine de développement qui, en cas de réponse positive, pourrait apporter des intrants modernes aux agriculteurs du pays. Rappelons ici que, du fait de son incapacité à assurer une production suffisante de blé, le Cameroun a importé en 2020 860 000 tonnes de blé qui ont coûté environ 150 milliards de francs CFA à son économie. On to this brief, the National Hydrocarbons Operations in Cameroon has in a press release on May 30, 2022, distanced themselves from all allegations associated with the Glencore multinational commodity trading and mining company. The company will in the days ahead clarify any doubts if necessary, signed Adolf Mudik, Administrative Director General. Economic operators in the southern part of QC in the border town of Equatorial Guinea will in a few weeks enjoy constant power supply as it has connected to electricity transmission line in the Mvele Dam. The move comes to address constant power cuts in that area where business operators have suffered the most. The Cameroonian town of QC, bordering Equatorial Guinea, is now connected to the electricity transmission line from the Mvele Dam in the southern region of the country. The official ceremony to connect this city to the network recently took place in the presence of Theodon Sangu, the general manager of the Electricity Development Corporation, EDC, the public heritage company in the electricity sector. This operation on the line DG of the EDC results in dismantling the death of the QC thermal power, whose four difficulties have been plunged the city into darkness. Officially, the dismantling of QC power plants should allow the concessionaries of the public electricity service in Cameroon to save around 42 million CFA francs per month or more than half a billion per year. Above all, the connection will allow the population and companies of this town and its surroundings to enjoy the benefits of regular electricity supply. A new day is dawning in the district of QC and its surroundings, and they are convinced that it will be a new start as the population will enjoy economic boom. The town of QC will in a few weeks enjoy electricity supply to enable the economic operations move in full swing. This comes to address the recurrent power cut the city, jam-packed with economic transactions, has suffered. Le processus d'obtention des actes d'urbanisme était au centre d'un point de presse donné par le guichet unique de la communauté urbaine de Douala, l'état des lieux. Des constructions anarchiques dans la ville de Douala a été fait à cette occasion. On apprend que près de 90% des chantiers entamés dans la ville de Douala n'ont pas les documents nécessaires. Je vous propose d'écouter Beb Aikoué, le coordonnateur du guichet unique de la communauté urbaine de Douala, est au micro de STV. Concernant les statistiques sur les constructions irrégulières dans la ville de Douala, qui ont été évoquées dans un exposé qui faisait état de ce que 90% des constructions effectuées dans la ville de Douala sont irrégulières, vous comprenez le bien fondé d'une initiative comme celle-ci. On en a déjà réalisé quelques-unes lors des dernières années, mais visiblement, la mayonnaise ne passe pas encore. Il est question d'intensifier cette sensibilisation, d'intensifier cette éducation et cette communication à l'endroit des populations. Que fait la ville? La ville agit. La ville agit, la ville ne reste pas les bras croisés. Après les actions de sensibilisation comme celle-ci, il y a des actions de répression à proprement parler qui se font sur le terrain par les services de la police municipale qui, chaque fois qu'elles sont informées d'un début de chantier irrégulier, quel que soit le lieu dans la ville, se rendent sur ces sites-là et procèdent aux actions de police administrative, notamment à l'arrêt des travaux et à des sommations aux différents contrevenants. Très souvent également, vous notez des chantiers qui sont scellés à l'intérieur de la ville et ces mesures administratives-là visent simplement aux requérants de pouvoir se rendre
vers les services de la communauté pour régulariser la situation administrative de sa construction. Grâce à Dikolo Bali, la commission ad hoc chargée d'examiner les requêtes des victimes du déguerpissement sur le site de Dikolo à Bali. C'est dans le premier arrondissement de la ville de Douala et créé depuis ce 30 mai 2022. Sa mission, vérifier le statut juridique de chaque déguerpi, définir les limites de la DUP conformément au décret du 9 janvier 2020, recenser toutes les victimes collatérales et évaluer les pertes correspondantes. La mission est constituée de 28 membres avec comme président le secrétaire général des services du gouverneur de la région du littoral. Entre autres membres, on peut noter le maire de la ville de Douala, les honorables Ndoko Lini Sopo, Marlise Douala-Bel, les représentants des services techniques des délégations régionales du MINCAF, du MINPAD, du MINDU, du MINADER, du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable. Il faut préciser que la commission a une durée de un mois pour présenter la copie de son rapport. Et nous poursuivons ce journal avec vous, Joséphine Pidi. Of course, we take you to Kumba, Southwest Region, Meme Division, where the Kumba City Mayor Gregory Mewanu has visited the ongoing construction of wards and offices at the Kumba District Hospital today, May 31, 2022. During his visit, the mayor revealed that his vision is to promote the good medical facilities for locals in Meme Division. Catherine Kone with details. The need to upgrade the old-ish Kumba District Hospital has been reiterated by the Kumba City Mayor, Gregory Mewanu. He made the call during his inspection visit to the ongoing construction works of wards and offices at the hospital located at the station neighborhood. Normally it has to be upgraded to a regional hospital annex. So that is my cry. That is my vision for this hospital. And I think when we get to achieve that, I will be personally absolutely satisfied for, of course, the satisfaction of the people of this area, as I just said. Of course, that will enable us to have, you know, the respective departments and specialists, medical specialists, that we do not have now. You can see quite often when we have major issues here, what we have to do in a very, very big town like Kumba, we refer, the doctors refer the patients to Limbe, to the Boya, to Mutengene, sometimes even when it concerns, you know, orthopedic cases. The man who doubles as a chairman of the management board of the hospital has his vision in providing good medical facilities to the locals of Mehmet's vision. I think I have a very clear vision. And this vision is to get the cry of the Kumba people answered. That cry that has not only been a cry of the Kumba people, but the cry of the people in Meme. And this cry of the people in Meme actually has a lot to do with the cry of the people in Lebialem, Manyu, Kupemanunguba, Ndian division added to the people of Meme, because Kumba is actually there to serve these five divisions that I just... The reconstruction of wards and offices at the Kumba District Hospital comes after an arson attack on the night of February 10, 2019. En religion, le nouveau président de la conférence épiscopale du Cameroun, installé dans ses fonctions ce 30 mai 2022. Il s'agit de Monseigneur Andrew Kea, archevêque de Bamenda dans le nord-ouest. Il remplace Monseigneur Abraham Komea, évêque du diocèse de Bafon dans la région de l'ouest, et Monseigneur Philippe Alain Barga, évêque du diocèse d'Ebolova dans le sud, a été élu vice-président. Mireille Sabine. Monseigneur Abraham Komé, évêque de Bafon et président sortant du Conseil épiscopal national du Cameroun, a donné son siège à Monseigneur Andrew Kea, archevêque de Bamenda et président entrant. Le 30 avril, à l'issue de la 47e assemblée plénière de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, Monseigneur Andrew Kea, archevêque de Bamenda, dans le nord-ouest, a été élu président. Ce dernier est né le 29 août 1965 à Widikoum. Il est ordonné prêtre le 22 avril 1992.
Il est nommé évêque coadjuteur de Monfay par le pape François le 10 juillet 2013 et il succède à Monseigneur Francis Tekili Singe comme évêque diocésain le 25 janvier 2014. Monseigneur Andrew Kea devient archevêque de l'archidiocèse de Bamenda le 30 décembre 2019. La mission qui lui est confiée à la tête de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun est celle de la recherche de la paix. Comme pour dire que ce mandat sera donc un mandat pour chercher la paix au Cameroun afin que le pays connaisse une stabilité sociopolitique notamment dans les régions du nord-ouest, sud-ouest ainsi qu'à l'extrême nord et à l'est du pays. L'ordination épiscopale de Monseigneur Andrew Kea s'est faite le 5 mai 2022 à Monfay, il faut le préciser. Il sera assisté dans sa charge de président par Monseigneur Philippe Alain Balga, évêque du diocèse d'Ebolova, par ailleurs vice-président de la Conférence épiscopale du Cameroun. Monseigneur Andrew Kea succède donc à Monseigneur Abraham Komé, évêque de Bafon, qui lui, en mai 2019, remplaçait Monseigneur Samuel Kleda, archevêque de Douala, à la tête de la Conférence épiscopale du Cameroun. Following the disappearance of the phone of Mankong, His Royal Highness Phone Angwafo III, on May 15, 2022, the people of Mankong have begun a 7-day traditional rites after which a new phone will be decided upon. Catherine Kone with details. Inhabitants of Mankong in Mensam Division of the Northwest Region have started observing a 7-day mourning, after which a new phone will be declared. This comes following the disappearance of their phone, His Royal Majesty Angwafo III, on May 15, 2022. That is a day that we announce, and then the mourning will start. We will start mourning the phone from today till the 7th of June. So there will be mourning. There will be no work. People will move with without caps on their head, all of those things. So that is to show that they are mourning their phone. And well, it's a way, it's a process, and we will follow that process. PIFO has given the way. They have given us rendezvous on Tuesday and give us what we have to do. We have to come in the morning attire of Mankon. When the phone is no more, that's the way we are going to dress that way. The adzaga is what we are going to wear that day. And from there, after we would have done the traditional rite, we will remove it and we will look forward to get to contact with the new phone. You see, I'm dressed like this in the traditional legala, but I cannot put up my head, showing that I'm mourning my father. Phone Angwafo III disappearance has been described by the Lucas as a bitter pill to swallow. The disappearance of the phone means a lot to me. Absolutely, the phone of Mankon, I cannot say he has disappeared, but he has done all the phone was supposed to do as a phone of Mankon. There's nothing he has not done for the Mankon people and the community as a whole. The phone of Mankon always said anybody living in Mankon land is a Mankon man, and he has always treated everybody as such. So the phone of Mankon has done all he's supposed to do as phone. We expect our new phone to be like our father that has disappeared, and even to do better. We look forward for Mankon to become more powerful with new ideas, with new innovations. Traditional authorities of Mankon officially announced his disappearance on May 29, 2022. It should be recalled that His Royal Majesty Phone Angwafo III was a member of parliament from 1962 to 1988 and served as the first vice president of the CPDM party. The phone who died at the age of 97 was a twinted phone of the Mankon people and was enthroned in 1959. Sport boxe en bref, les membres de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de boxe se réunissent en session extraordinaire le 11 juin 2022 à Yaoundé. Objectif, trouver des solutions à la situation de non-droit et de chaos total qui perdure au sein de la FECA boxe depuis plus de 5 ans. Tous les acteurs pertinents de la boxe au Cameroun, désireux d'apporter des contributions intellectuelles à titre consultatif, sont les bienvenus aux travaux. L'invitation est de Jean-Michel Evina Ahanda, membre de l'AG élu en 2013.
Toujours en sport, cette fois-ci football, les Lions indomptables du Cameroun poursuivent leur préparation en vue du match contre le Burundi. Ce jour, Rigobert Song, le sélectionneur, et ses poulains étaient au stade annexe de Fandena à Yaoundé. Voici l'ambiance dans la tanière avec vous, Olivier Bouzic. Troisième jour d'entraînement pour les Lions indomptables en prélude au match contre le Burundi. Ce matin, à l'annexe numéro 1 du stade Omnisport de Yaoundé, Rigobert Song et son staff ont animé les séances dans une ambiance de rassemblement. Franchement, elle est super l'ambiance, il n'y a pas de prise de tête. C'est cool, tout le monde rigole ensemble, tout le monde se check, tout le monde a sourire, c'est parfait. Les critiques, ça fait progresser. On apprend de ses erreurs. C'était ma première. J'ai appris, j'ai pris la température et je pense que cette fois-ci, ça va aller. Plusieurs intègrent le groupe pour la toute première fois. Ils prennent très vite le rythme avec l'accompagnement des cadres de l'équipe. C'est vraiment une fierté d'être dans le groupe des... Du Cameroun parce que ça renferme mes parents, moi d'abord, et c'est une grande fierté. Mon ambition, c'est d'être le plus vite titulaire. Je vais tout donner à l'entraînement pour montrer au coach que je mérite ma place et voilà. C'est un honneur d'être ici, même si je sais que ça fait longtemps que l'équipe m'a appelé, mais je prenais une décision et aujourd'hui j'ai pris la bonne décision de venir et je suis très content d'être là. L'objectif est de remporter la victoire au soir du 8 juin prochain. Chacun veut donner le meilleur de lui pour satisfaire le public camerounais. Ce match contre le Burundi, c'est un match très important pour l'équipe. Ma contribution envers l'équipe, ce serait, si j'ai la chance de jouer, d'apporter offensivement et pourquoi pas marquer. Le groupe est complet. Le staff compte aussi sur l'expertise locale pour renforcer la tanière. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Joséphine Bindi. Good night to you, Oriane. Good night to you, viewers. Thanks for watching and happy birthday, Oriane. Merci.